Dont voici le sommaire. Aide budgétaire, ce sont 10 millions d'euros que l'Agence française de développement accorde à la Guinée, un montant qui servira au renforcement des capacités des administrations déconcentrées et décentralisées. L'initiative présidentielle de bitumage des voiries de l'abbé et Pita ont démarré. L'heure est à la phase préparatoire. Les travaux sont financés par le gouvernement à travers le Fonds national de développement. Et puis, Yamoussa Sidibé, écrivain journaliste sacré meilleur auteur du mois à travers son roman Mourutigui ou le sabre du refus, un prix donné par la Renaissance française pour promouvoir et distinguer les mérites. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition pour vous informer. Les représentants des MUFA et MCD du pays étaient ce soir au palais Sékou Touré. Ces mutualistes étaient venus présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République. Ils se sont massivement mobilisés pour davantage exprimer leur soutien au professeur Alpha Condé dans ses ambitions de développement en faveur de leur autonomisation. Sanassi Keita nous fait le point. Ils se comptent par centaines à venir rencontrer le président de la République au palais Sékou Touré. Ces femmes et jeunes des MC2 et MUFA sont venus à travers des coins et recoins du pays. Objectif, présenter leurs vœux du nouvel an 2019 au président de la République, professeur Alpha Condé. Ces mutualistes, Djenabou Keïta manifeste sa volonté de continuer sans cesse à soutenir le président de la République dans ses ambitions de développement, en faveur surtout de l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est pour moi un agréable plaisir de m'adresser à votre illustre personne, ainsi qu'à votre gouvernement, au nom de tous les mutualistes des MC2 MUFA de la République de Guinée, pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2019. Que cette année nouvelle soit pour vous, pour votre famille, pour vos proches et collaborateurs, une année de longévité, de santé, de fer, de paix, de cohésion sociale et de plein succès dans le vaste programme d'émergence du pays que vous avez entrepris. Depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays, vous avez dédié vos mandats aux couches vulnérables, à savoir les femmes et les jeunes. Cette rencontre revêt une signification particulière en raison d'une part de l'opportunité que vous nous offrez malgré votre agenda très chargé et d'autre part du fait qu'elle s'inscrit dans le cadre de ce que nous qualifierons de prise de conscience universelle du rôle majeur des femmes et des jeunes dans la lutte contre la pauvreté. Cette année, nous avons placé cette présentation de vœux sous le sceau de la reconnaissance à votre initiative en faveur des jeunes et des femmes. Nous associons à cette reconnaissance tous ceux qui ont contribué à la réussite du modèle MC2 MUFA en République de Guinée. Excellences, Monsieur le Président, dans le souci de lutter contre la pauvreté, sous votre initiative et avec le soutien d'Afriland First Bank, nous sommes heureux de vous informer qu'au 31 décembre 2018, le réseau MC2 MUFA est constitué de 136 unités de portefeuille en portefeuille auprès d'Afriland First Bank, 80 unités composées de plus de 80 000 membres en direct et près d'1 million de personnes en indirect,
sont totalement opérationnels et ont bénéficié de plus de 715 milliards de crédits qui se remboursent à 98%. Vous comprendrez donc que ce modèle MC2 MIFA que vous avez choisi pour les femmes et les jeunes de Guinée est un instrument de développement socio-économique et créateur de richesses qui, avec votre appui continuel, contribuera substantiellement à l'amélioration des conditions de vie des femmes, des familles guinéennes. Cette expérience nous a permis de comprendre trois choses. La première, c'est que nous sommes désormais conscients, nous femmes et jeunes de Guinée, du fait que le développement d'un pays dépend en majorité du dynamisme et du sens de la créativité de ses femmes et de sa jeunesse. La deuxième, nous avons compris que si nous voulons que nos familles soient économiquement et socialement autonomes, il nous faudra travailler dur et bien, être honnête et surtout développer un état d'esprit de créateur de richesses. La troisième chose, par cette initiative, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, vous venez de signer un pacte avec les femmes et les jeunes de Guinée. Vous avez montré aux yeux du monde votre attachement pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous vous sommes reconnaissants et nous nous engageons à vos côtés pour ce noble combat. Nous étions, nous sommes et nous serons avec vous sans condition et nous soutenons toutes vos initiatives. Nous disons bien toutes les initiatives pour une Guinée unie et prospère. Excellences, Monsieur le Président, les MC2 et MIFA réunissent aujourd'hui plusieurs groupements de femmes commerçantes, artisanes, couturières, agriculteurs, éleveurs, fonctionnaires, coiffeuses et des jeunes diplômés qui ont tous pour ambition l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs familles respectives. Oui, Monsieur le Président, grâce à vous, les MIFA et MCD ont eu un impact qualitatif important sur notre vie. Grâce à vous, nos enfants vont à l'école. Grâce à vous, nous avons nos activités génératrices de revenus. Grâce à vous, nous soutenons nos maris et nos foyers sont stables. Grâce à vous, nous habillons nos enfants et nous leur donnons à manger. Grâce à vous, nous sommes respectés par nos maris, nos parents et nos partenaires et la société toute entière. Grâce à vous, nous avons des femmes capables de voyager à travers le monde pour amener des marchandises et vendre. Grâce à vous, nous avons des femmes députées issues des MUFA et MC2. Grâce à vous, nous avons des femmes ambassadrices issues des MIFA. Grâce à vous, nous avons des femmes mères et vice-mères issues des MIFA et MC2. Monsieur le Président, voilà l'impact de votre initiative à travers les MC2 MIFA dans notre pays. Vu ces résultats obtenus en moins de 3 ans, les femmes et les jeunes de Guinée se posent les questions suivantes. Comment ne pas vous soutenir dans votre noble et exaltante mission? Comment ne pas vous accompagner dans votre programme de développement pour notre beau et cher pays? Comment ne pas avoir de l'humilité pour vous féliciter pour le travail accompli? Comment ne pas vous encourager à continuer ce combat que vous menez
pour le développement de notre pays. Comment de ne pas être solidaire avec vous dans ce combat quotidien que vous menez pour les femmes et les jeunes de Guinée? Comment ne pas prier Dieu afin qu'il vous accorde aux coachs de l'équipe gagnante des MC2 et MIFA que vous êtes une bonne santé et de longues années à la tête de cette équipe, car on saurait changer le coach d'une équipe qui gagne en plein match. Excellences, Monsieur le Président, nous femmes et jeunes de Guinée savons trouver des réponses à ces questions. C'est pourquoi nous nous engageons à vous soutenir et à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Nous nous engageons à être à vos côtés pour continuer et finaliser votre programme de développement de notre pays. Nous vous encourageons à persévérer dans votre combat de tous les jours malgré les nombreux obstacles. Vous pouvez en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances compter sur nous, femmes et jeunes de Guinée, car le dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, Monsieur le Président, nous les femmes de Guinée, vous voulons. Nous vous demandons de rester serein. Vous avez le soutien des femmes et des jeunes de Guinée. Continuez votre travail. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-nous de remercier très sincèrement le concepteur du modèle MC2, Dr Paul Fokam, ainsi que le directeur général d'African First Bank, M. Fondio Guy Laura, surnommé M. TGB, et toute son équipe pour leur disponibilité, leur écoute et leur accompagnement quotidien. Vu les résultats obtenus et l'engagement des MUFA MC2, nous sollicitons auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la République le renforcement de nos lignes de financement à travers Afriland First Bank. Comme nous l'avons dit, il s'agit aujourd'hui de poser un acte de reconnaissance envers vous, Monsieur le Président de la République. Le moment est tout indiqué et l'heure a sonné pour demander aux hésitants et aux sceptiques de vous accompagner dans votre noble et exaltante mission. Oui, l'heure a sonné pour le rassemblement, la mobilisation et la participation à l'œuvre de développement de notre cher et beau pays dans un esprit d'unité avec ceux qui croient à l'idéal républicain du président de la République, professeur Alpha Condé. Ceux qui l'ont connu, côtoyé et pratiqué et qui, parfois, ont cheminé avec lui sur les grands dossiers de la République. Ceux qui partagent les motivations du combat politique fondamentalement porté sur la paix, l'unité et la cohésion nationale qu'il a mené et continue de mener. Ceux qui pensent juste que le moment est venu pour défendre ensemble l'actif et le passif de notre patrimoine commun. Ceux qui pensent que la tolérance et le consensus au sein de notre pays, initié par le professeur Alpha Condé, reste une règle d'or pour permettre le rayonnement de notre nation. Encore une fois, Excellences, Monsieur le Président, bonne et heureuse année 2019. Vive les MC2 et MUFA, vive les femmes et les jeunes de Guinée,
Vive le professeur Alpha Condé. Vive la République de Guinée. Je vous remercie. Dans les différentes langues du terroir, ces femmes et jeunes des MUFA et MC2 du pays expriment également leur joie au professeur Alpha Condé. MIFA et MCD wawi bantude nokkureji ding e der misiddaji e kodoli ding hina rewbe bentum hina faybe bentum bayno wodi do rewbe be tawata no mari be ngureji teddudi si debbo goto bantike hara de be ngure dem fo bantike hara men andini on dum wawi sortude tampereji bus e der nokkureji ding e Fouta Diallo hara men wawi on wakkilinde men wawi on weltanade men andintina on kala faale mon ko faala ɗon fi ɓantare lagine nden yon andu ko dongal suddiɓe ɓen min rondotongal e hoore hara min ŋaƴƴilaaki min tampa min mapaaki min lakkataake kadi haa min hewtinoya dongal ngal min rondani yon ngal monsieur le professeur Alpha Condé haray min andintina ɗo kadi professeur on no faala en gollu foñe on menen ɗo si Allah jaɓisi min heɓi ko wawa min wallitade ɗowta min e fi demal foñe ngal min wakkiloto ɗum ɗon hara na moƴƴingol ngal tu yeeya hara menen tigui min remay ngal haray ko ɗum min wawi kollude ɗo min weltanike professeur Alpha Condé faale makko on ko dongal amen min watta tekkere min sornay tele min naɓa ha ka hew haray ko weltanagol professeur Alpha Condé ko MC2 Dar Salaam wonɗo ha lax hamdallahi bambe to kosa aray hari hankin ɗum hamdallahi bambe to kosa goɗɗo susta naɓude ton oto labaɗo joni hamdallahi bambe to kosa sukaɓen fopp naati MIFA bambe to maɗum MC2 Dar Salaam aray min weltanike professeur Alpha Condé min weltanike banque Afriland Fes Bank min weltanike monsieur Camara min weltanike ministre de la jeunesse Mouktar Diallo wallitiɗo min fi insalugo MIFA bambe to merci ganno e namu hare boy pokkana mama bo mahoro bo barekere yaba salkora nyo akama yi yaba MC2 yaba MIFA akpomata kupo aye hurula be kupole kere zire liaga ne liaga gere pun ko ne potente mahoro bo yi agala ko projet pere ga gala MC2 akpomata kupo yi ga mane ku ga ko ha zoro bo su akere pomata kupo ku kanu na mambo ku zere bo ku kanu bo enye mata zona ba mako zere masa bendo bulun ke mo nuali makena mi ke tanga nyando bana parao on ne nye sola kore nan ke kesio manda ha masola volonté ke afrilan hun chomna fonyo kamara madumona le masin no mana bulofa même acha siejo nye pomon sola pe amanda ke nye pomon sola pe amanda ke tono bendu miti tanda la kena o lucho hon hali nobe pokosi pokosi lang na te ngawana siama ke wa un chope loncho le yin pokosi pokosi lang da fangana ocho ha makona bendu Nyema mi madame mitie tandan fenfen lena. Eh kita sepe palo Alpha Condé nuali balika kulun keme bendo jol mu kole. Hunale num gilo len nuali le baran ke to sale leng dendo. Haw o la gina nen tua pian wa van lando ayongu na ko tanyu la mahala helunum. Nyan nyan chonu fi amadi manam to la gina hebi o la chini. Mchonum kole. Sangala wa hawan la do acho acho apiando ala le soy balo le nyanya o leng dena le nin sola konyuno donc acho na pela kinchonum ko le nyanya tu pele leng den professeur Alpha Condé chonum ko le ma hala maranum ni hala hibinum lachi
Antonum Kolia Barika. A merveille. Né présidente Léry Senghor MCD. Depuis MCD crié ni lagine kono. Nous Senghor Kailu, nous tamboro kola ko katimi beka parce que barame Senghor te lagine rosi. Anu ye malo senela atoni dilikano ella bola sangoro. Quelle est doute et chez les moussouïches et c'est depuis MCD Doni, alhamdoulilah, au Rama, parce que nous voyons moussou, vous l'avez séparé. Donc, nous sommes en MCD, la Katimi Beka, à ne doit que la professeure Alpha Condé, Allah si Djamva, présent à si féminin, pour dire à nous moussouïnes, regret qu'il est pémé, nous moussouïques à la Guinée-Bi. Depuis 1958, indépendant qu'on fait, professeur Alpha Condé, pourquoi Amana pouvoir la dépôt tout le monde? Je suis là, je suis là, Alhamdulillah, Rabbil Alamina. Mais toujours, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, parce qu'il y a une rencontre. Monsieur le professeur, il nous tourne. La Guinée-Guinée n'a rien de tourne. Et tu as fait un café, mais on va nous tourner, c'est que ça. Alors, il y a un fourré, il m'a. Allah ya fe ma Allah ya fureti fangara e wali na ke la gine na ken wali to buna ka me girfe anu tore na na girfe ibo ima ko bare no wali sa ko bare tantu na ma mo fandere wali sa me be e wali so na ke haraba na la docteur Paul Fokama anu docteur Fonyo mo ne no wali sa me ne be fandu wali tinga mo da e tinga mo ga fere wali fe. Surtout mon rat camara, la Guinée-Guinée rat camara. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Quand il y a un camara, il y a un fat en cuir, il y a un. Monsieur le Président, ça s'attend à les malifiés. Je ne vais pas faire ça. 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 La Guinée-Guinée, Alpha Condé, Kadaou. Kadaou. Na fala mané manga yomu dorbe iwali na kan na baka mengambe na ara baka professeur Alpha Condé ginala kan na wani ndara na kan kili ana fatu bangura to ngora yim na 2 semaines nas afli der kui nsiga so walde mfanna malagu ana ka hakya kuran de mané mu kwanyito alo basa na fe mu na kan ana ka yesu lo mané to anu waka waka e Alpha Condé ana kan makole ba luna muta mira boloma. Je ne sais pas si vous avez un problème à la gang, vous avez un problème. Il y a un carreau. Carreau, carreau. Pour faire quel est le nom de Philippe dans la présence. Quand on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On a congrès à Rabat. À Rabat, on a fait ça. 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 Kalam gine na gbele gbele fetu akobri muso ko yira me amuna sama ko ti yefa na akobri na fira abu firi mu kelma di mu akobri ma khali kam mu ke di to donc mu rakata rakata e ram ko dogo mu kala fe kelma kalam ko no nyara de ina me kalam la gine nara bo ko basse ko ngina ba aluti na fila ko bore ko na e ma goro bene na ma se to mo na dan me muso le president Alpha Condé kadawu la solution c'est vous. Plusieurs questions de développement du pays ont été évoquées ici par le président de la République, notamment l'agriculture. Le tout dans le but surtout de soutenir ces femmes et jeunes dans leurs différents métiers en vue de leur pleine autonomisation. Les cadeaux ont été enfin offerts au président de la République par ces femmes et jeunes des MUFA et MC2 venus de toute la Guinée. Le tout suivi d'une photo de famille.
Voilà, c'était la présentation de vœux de représentants des MUFA et MCD au chef de l'État. Comme annoncé au sommaire, l'Agence française de développement apporte son soutien économique à la Guinée. Une convention d'aide budgétaire de 10 millions d'euros destinée au renforcement des compétences des collectivités locales vient d'être signée au ministère de l'Économie et des Finances. Mamadi Gassama pour en savoir un peu plus. Le PNDS, Plan National de Développement Économique et Social, est un outil de développement au service des populations. Pour sa mise en œuvre, la Guinée bénéficie de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. À travers cette signature d'accord de 10 millions d'euros, l'Agence française de développement s'engage à accompagner le gouvernement guinéen dans sa politique de renforcement des compétences des collectivités locales. Le pays porte un programme de décentralisation, de déconcentration, donc qui revient à l'AFD dans le cadre de sa stratégie d'appuyer le pays dans cette démarche. Et cette intervention s'inscrit aussi parfaitement dans les engagements que la France a pris dans le cadre du financement du plan national de développement économique et social, à savoir appuyer le pays dans la mise en place d'une bonne gouvernance de ses instances. À travers ce projet, la France a souhaité contribuer à ce qu'on appelle maintenant, ça a été consacré aujourd'hui, les 3D, le développement local, la démocratie locale et la décentralisation. La gestion de ce fonds sera confiée à l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC. L'obtention de ce financement permettra aux collectivités décentralisées d'avoir les moyens de leur politique, mais aussi de garantir leur participation à la gouvernance locale. Le caractère très spécifique de ce don est qu'il va aider à la matérialisation de la décentralisation. Il s'agira donc, n'est-ce pas, par ce système de péréquation, de toucher chacune de nos 342 communes à travers naturellement une gestion rigoureuse par nos élus, lesquels seront invités naturellement par nous à mettre toute l'excellence de leur capacité de gestion dans la conduite, n'est-ce pas, de cette initiative. Je voudrais saluer la pertinence de la politique de décentralisation et de déconcentration conduite par le gouvernement sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé. Nous sommes en train de rompre avec la conception centralisée de l'exercice des responsabilités publiques. Ce changement permettra aux citoyens d'être des acteurs du développement local. Depuis plus de 10 ans, l'AFD accompagne la Guinée à travers le projet d'appui aux communautés villageoises, PACV. Aujourd'hui, elle ambitionne institutionnaliser son aide en orientant directement les financements vers les pays bénéficiaires. Conakry a abrité les travaux de la réunion annuelle des douanes. La rencontre a abouti à des résolutions assorties du plan d'action 2019. Les soldats de l'économie ont réalisé des excédents au compte de l'année écoulée. Une performance saluée par le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé. Mangafo Détouré, nous suit ce reportage. Au terme de fructueux débats, les travaux ont abouti à la résolution ci-après. 1. De mettre en œuvre le plan d'action 2019 de la Direction générale des douanes en mettant à sa disposition les moyens appropriés. 2. Inviter les parties à respecter les engagements contenus dans les contrats de performance. De promouvoir la mobilité des agents et de privilégier la formation et le perfectionnement continu des cadres des agents des douanes afin de garantir l'efficacité du service et l'innovation en son sein. C'est autour de ces résolutions issues de sa réunion annuelle que la Direction générale des douanes a organisé la journée mondiale de la douane de cette année. Une journée mise à profit par les autorités douanières du pays pour davantage sensibiliser le personnel à plus de résultats dans l'accomplissement de leur mission. Le général de brigade Toumani Sangaré a aussi invité les douaniers et les partenaires à orienter leurs efforts dans la sécurisation et la modernisation des opérations pour qualifier les méthodes de travail et améliorer les résultats. L'intégration des technologies est consacrée, en plus de l'informatique,
par l'utilisation d'escalaires à rayon X au port de Conakry et à l'aéroport de Conakry. Un projet pour l'utilisation de la technologie de repérage est élaboré qui porte par l'usage de balises pour le suivi électronique des marchandises en transit sur certains corridors. Voudrais-je, au nom de la Direction générale des douanes et à mon nom propre, vous prier, monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre à monsieur le président de la République, son excellence, professeur Alpha Condé, les sincères et remerciements et la profonde gratitude du personnel douanier pour sa constante sollicitude envers l'administration des douanes. Des frontières smart pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et de marchandises. C'est le thème choisi par l'Organisation mondiale des douanes. Le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé félicite les soldats de l'économie pour la qualité des travaux et les interpelle à agir conformément aux recommandations. Le ministre du Budget vous rassure de son soutien constant et de sa totale disponibilité à vous accompagner dans le processus irréversible de réforme et de modernisation de votre administration, si cher à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Premier ministre. La douane guinéenne enregistre des avancées techniques et technologiques, mais aussi et surtout participe à la mobilisation des recettes du pays. Les résultats de l'année précédente sont un motif de soulagement et permettent aux douaniers de fêter avec faste cette journée. Des artistes étaient ainsi présents à la cérémonie pour donner des couleurs à cette fête. Et puis les travaux préparatoires de bitumage des voiries urbaines de la baie de Pita ont démarré, financés par le gouvernement à travers le budget national de développement. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Guicopress. Cette initiative présidentielle s'inscrit dans le cadre du désenclavement des 32 quartiers que comptent ces communes, ou aussi faciliter la fluidité de la circulation. Mamadi Pat Baldé, Sarah Fidine Diallo, Younous Attawel Camara, reportage. Après le lancement des travaux de bitumage des voiries urbaines de l'Abbé et de Pita par le chef de l'État, l'heure est à la matérialisation de cette volonté. À l'Abbé, ces engins sur le terrain donnent le ton. L'ouverture des voies, le dégagement de l'emprise et le nettoyage constituent les premières étapes. À terme, 15 km de pistes seront bitumées pour désenclaver les 28 quartiers de la ville de l'Abbé. Financés par le budget national de développement, les travaux seront exécutés dans un délai de 20 mois par l'entreprise Guicopress. La population de l'Abbé salue cette initiative du président de la République. Aujourd'hui, on est vers le début de la fin des longs calvaires. Et c'est d'autant plus vrai et d'autant plus honorable et heureux. Nous attendions cela depuis longtemps. Dieu merci que ça soit réalisé cette fois-ci. Et les 15 km sont très beaucoup pour nous, car même si c'était 5 km, nous attendions de plus encore. À 45 km de l'Abbé, Pita, la capitale de la pomme de terre. Ici également, l'entreprise Guicopress doit bitumer 13 km dans la ville et ses quartiers périphériques. Ces travaux vont durer 18 mois conformément aux clauses du contrat. On a une couche de fondation de 20 cm en latéritique et une couche de base en 20 cm en latérite sélectionnée. Voilà, donc avec des ouvrages d'assainissement bien sûr, des ouvrages de protection et de la signalisation pour permettre une bonne utilisation de cet ouvrage. Le démarrage effectif des travaux réjouit la population. Ce lieu où nous sommes est un lieu de paix, d'unité et de cohésion sociale. Les populations de Pita, par ma voix, bénie pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, le gouvernement guinéen et cette société Guicopress pour le travail engagé ici. Nous leur restons éternellement reconnaissants, car c'est ce que Pita attendait. Pour faciliter la circulation dans les communes urbaines de l'Abbé et Pita, l'entreprise s'engage à accélérer les travaux.
Le dernier samedi de chaque mois est dédié à l'assainissement de la ville de Conakry. Cette action civique permet d'améliorer les conditions sanitaires et environnementales des populations. Tcherno Maroufba, Saïdou Diallo. C'est la 7e journée d'assainissement de la ville de Conakry. L'opération préoccupe de nombreux citoyens dans les 5 communes. Les points critiques font l'objet d'une attention particulière. Pour dégager les ordures de ces points, 28 camions se succèdent pour transporter les déchets. Pour cette journée, 6 équipes de travail sont déployées dans la ville. Les 28 camions qu'on a déployés, on a une équipe qui a travaillé sur la route Le Prince, une équipe qui était à Yataya Fosidé, une équipe à Anta, une équipe à Kaloum et une équipe qui était à la mosquée turque mais qui évolue maintenant vers Bessia. Je ne peux que saluer ceux qui nous accompagnent déjà, ceux qui ont compris le sens civique de ce que nous sommes en train de faire dans notre capitale. Et j'ose croire qu'au fur et à mesure que les mois avancent, au fur et à mesure, les gens vont comprendre et vont s'engager aussi à faire en sorte que notre capitale soit propre et que chacun de nous soit fier de dire « je suis de Conakry, je suis guinéen ». Au centre administratif de Kaloum, les jeunes et autorités procèdent au curage des caniveaux. Une des priorités des autorités de la commune qui doit se poursuivre dans tous les quartiers pour améliorer le cadre de vie des populations. La première des choses pour nous, nous pensons la plus importante, c'est la sensibilisation. Et nous avons commencé la sensibilisation. La semaine prochaine, nous passerons dans les écoles. Parce que nous sommes convaincus que la sensibilisation doit commencer d'abord par les écoles, par les enfants, par les jeunes. Et nous sommes en train d'organiser des jeunes, vous les verrez très bientôt, à travers la ville, à travers Kaloum, en train de sensibiliser les familles. Ces enfants feront le porte-à-porte pour essayer de sensibiliser les familles. Dans la commune de Ratouma, précisément dans le quartier Nongo, le ministre de la Jeunesse, entouré des jeunes du quartier, participe à l'opération. Une action civique qui, dans ce quartier de la banlieue de Conakry, ne laisse personne indifférent. L'engouement en train de naître et les Guinéens de plus en plus sont en train de se mobiliser, surtout ici à Conakry, pour travailler, pour nettoyer devant chez eux leur maison, leur secteur, leur quartier, leur lieu de travail. Et donc effectivement, Conakry ville propre et bientôt la Guinée ville propre sera une réalité. Cette action d'assainissement initiée par le gouvernement se poursuit dans la capitale. Le prochain rendez-vous est prévu pour le 23 février. Mais avant cette date, tous les citoyens de la capitale sont invités à faire de l'assainissement une préoccupation. Guinée en bref, les leaders religieux se sont retrouvés à Kindia. Des séances de lecture du Saint-Coran ont été organisées par les fidèles musulmans pour implorer la grâce divine afin qu'ils repentent sa miséricorde sur la Guinée. C'est le premier élément de l'actualité condensée qui nous parvient sous forme de télégramme dans un commentaire de Aboubacar Diaby. Nous sommes à Kindia, dans la ville des agrumes. Depuis la construction de cette maison de Dieu ici dans le secteur Balué en 2012, les fidèles musulmans de la localité organisent chaque année un fidaou, une rencontre religieuse qui vise à implorer la grâce divine pour le repos de l'âme des illustres disparus et pour la paix en Guinée. Le secrétaire général des affaires religieuses, Ali Jamal Bangoura, s'est réjoui de cette cérémonie islamique avant d'inviter les initiateurs à pérenniser cette action pour la consolidation du tissu social et la prospérité en Guinée. En tant que département en charge des affaires religieuses, on a saisi cette occasion pour mobiliser plus de 16 imams qui m'accompagnent aujourd'hui pour véhiculer le message de la paix au nom de l'islam. Inviter chacun de continuer à prêcher en faveur de la quiétude sociale. Ils sont tous des présumés bandits. Ils sont accusés d'avoir mené des attaques à main armée. Parmi eux, le présumé auteur de l'assassinat récent d'un gendarme du nom de Alassane Solano de l'escadron numéro 2 de Hamdallaye. Il a été arrêté par les agents de la direction centrale de la police judiciaire
après avoir été dénoncé par deux autres présumés bandits, se trouvant actuellement dans les mailles de la gendarmerie. Des valises ouvertes et des objets jetés ça et là. Triste constat après le passage des bandits dans la concession de la famille Gabi. Les assaillants auraient emporté plus de 7000 euros et plusieurs autres objets de valeur. L'acte s'est produit tard la nuit au quartier Antaga, dans la commune de Matoto. J'entends un bruit. Le temps d'ouvrir la porte et demander qui est-ce, l'intéressé était déjà présent devant ma porte. Il me dit, tu restes tranquille. On est venu en mission, c'est pour t'éliminer. Mais si tu coopères, nous on va partir. Je rends grâce à Dieu parce que je vis. Ce qu'ils ont emporté, c'est ce qu'ils peuvent emporter. Et les autorités feront leur travail. Acte de vandalisme dans la préfecture de Doubreka. Là, deux maisons privées sont mises à sac, des véhicules endommagés et plusieurs autres objets de valeur emportés par les assaillants. Selon les victimes, les pertes s'élèvent à plus de 700 millions de francs guinéens. L'acte serait l'œuvre d'un groupe de jeunes en colère contre les sociétés de jugement de granit de Doubreka. Bon, chez moi à Tercé, ils ont cassé tout le siège du quartier. Ils sont venus casser, ils ont cassé toutes les chaises, fauteuils, tables, dedans, ventilateurs, ils ont tout arraché. Tous les dossiers qui sont étaient dans mon bureau, ils ont tout brûlé. Tous les dossiers. Donc pratiquement, de chez moi, du quartier, ils sont partis chez moi. Ils ont dévalisé totalement la boutique de ma femme. Ils ont cassé toutes mes voitures, ils ont cassé les tôles. Ils voulaient me tuer à tout prix, quoi. Les membres de l'ONG Échange Partage poursuivent leur série de distribution de manuels scolaires dans certaines écoles publiques et privées de la capitale. Ici, au collège et lycée des jeunes filles, Saint-Joseph de Cligny à Kaloum, des livres et autres matériels didactiques sont offerts aux élèves en guise de contribution à leur formation. On veut participer à la formation des enfants à l'école, parce que pour former les enfants, il faut leur fournir des livres pour qu'ils puissent avoir le temps de lire. Donc pour ça, c'est pourquoi on a organisé ces dons-là à fournir dans les écoles à Conakry. C'est une façon de participer à la formation des enfants à l'école. Actu littéraire, un mois, un auteur, un livre et une personnalité. L'écrivain et journaliste Aya Moussa Sidibé a remporté le titre du meilleur auteur du mois avec son roman intitulé Mourutigui ou le sabre du refus. À travers ce prix, la Renaissance française récompense la formidable carrière de l'auteur tout en faisant la promotion de la culture et du mérite. Djamokaba. Pour ce mois de janvier, l'écrivain et journaliste Aya Moussa Sidibé est retenu comme le meilleur romancier guinéen par la Renaissance française. Il le doit à son roman intitulé Mourutigui ou le sabre du refus. Un roman de mémoire qui retrace les réalités actuelles de la Guinée à travers son personnage principal, Samori Touré. Je suis très heureux que mon œuvre Mourutigui ou le sabre du refus soit retenu comme le livre du mois de janvier. C'est un grand plaisir. Mourutigui, c'est un roman historique qui relate la vie d'un résistant à la pénétration coloniale et voilà, qui a tout donné pour garder l'indépendance de sa nation. Je suis très très fier de ce que Aya Moussa fait. Fier qu'un jeune fasse ce qu'il fait. Fier que ce soit un jeune que j'ai connu, que j'ai encadré d'une certaine manière. Cette rencontre est aussi une aubaine pour la structure française, la Renaissance, de récompenser le talent et l'innovation des jeunes guinéens. Mamadou Baylo Bari, juriste de formation et activiste de la société civile, est distingué personnalité du mois de janvier. Sa participation dans la vie citoyenne et son combat dans l'employabilité des jeunes cristallisent les attentions. C'est un sentiment de réconfort, de joie, mais le mérite ne me revient pas tout seul. Ce mérite revient à toute l'équipe et à toutes les personnes qui m'ont coaché de près ou de loin, et également au peuple de Guinée. Parce qu'aujourd'hui,
Nous sommes un pays très riche, c'est-à-dire la Guinée, c'est le résumé de l'Afrique. La Guinée est très riche en termes de ressources humaines, en termes de sol ou de sous-sol. Et le seul investissement que nous avons à faire, c'est d'investir dans la population, d'investir dans les ressources humaines, tout en investissant surtout dans l'éducation qui est extrêmement importante. Je pense que Baylo, avec tous les prix qu'il a reçus en Guinée et à l'extérieur, méritait parfaitement, à titre d'exemple, de recevoir donc le Satisfecit comme la personnalité du mois. Ça va encourager d'autres jeunes à faire comme lui ou mieux que lui, parce qu'on a besoin de repères et de modèles. Depuis l'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre, la Renaissance française prime les meilleurs auteurs du pays. L'ambition affichée, stimuler les énergies afin de fédérer toutes les volontés autour du rayonnement de la culture guinéenne. Les histoires contées dans les livres et les personnages sont aussi dévoilées pour mieux informer et orienter la nouvelle génération. Page noire, Eladj Alpha Fodé Dembélé, ancien chef de la station radio locale de Sigri, a regagné sa dernière demeure dans sa ville natale. Une délégation du ministère de la Communication s'est rendue à Sigri pour assister aux obsèques du défunt. Compte rendu, Fodé Bangalé Fofana. Dans le quartier Sigri Koura 1, où se trouve la grande famille du défunt, le cortège funèbre a du mal à se frayer un chemin dans la foule qui s'est emparée des lieux. La petite ruelle qui mène à cette famille mortière n'ayant pas pu contenir la foule nombreuse venue rendre un dernier hommage à l'illustre disparu, le corps a finalement été transféré à la place des martyrs en face de cette maison des jeunes de Sigri. Sous la direction de l'imam de la grande mosquée de la ville, la prière sur le corps de notre regretté est engagée avant de regagner sa dernière demeure. Je viens ici pour représenter la Haute Autorité de la Communication. Au nom de Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame Martine Condé, au nom de l'ensemble des commissaires de la Haute Autorité de la Communication, présenter les condoléances à toute la famille, à toute la ville de Sigri, ainsi qu'à toute la Guinée. J'incline d'abord pieusement à sa mémoire. Il a été un baba, comme vous l'avez dit. C'est un monsieur qui avait la maîtrise de son dossier. C'est un monsieur qui était franchement social, et nos relations particulières fiscales et la communication qui étaient toujours à nos services. D'abord, je prie Dieu pour le repos de son âme et qu'il l'agrée dans son paradis. Dembélé a été un collaborateur très franc et ce qui m'a plu en lui, c'est son franc-parler. Un journaliste, il ne faut pas qu'il soit dans un cadre politique, ni dans un cadre qui peut l'amener dans la corruption. C'est le franc-parler, ce qui se passe sur le terrain, c'est ce que Dembélé communiquait à la population. Comment l'homme est-il arrivé dans ce métier de journalisme? Après ses études primaires et secondaires à Sigri, il décide de s'orienter à l'école normale des instituteurs de Davalou en 1974. Parallèlement, en raison de son amour profond du journalisme, il s'inscrit à l'agence guinéenne de presse pour devenir correspondant. Mais bien avant, il pratique le reportage sportif au cours duquel ses narrations sont concises. Après ce parcours combien glorieux, ce pionnier de la radio rurale de Guinée est frappé au mois d'avril 2018 par la maladie. Pour son traitement, il s'est successivement rendu à Cancan, Conakry et Bamako, avant d'être évacué pour la dernière fois sur Conakry avec l'assistance de Mme Martine Condé, présidente de la Haute Autorité de la Communication. Admis à l'hôpital sino-guinéen, il bénéficie de soins gratuits grâce à la générosité de son Excellence, le président de la République, professeur Alpha Condé, le lundi 14 janvier 2019, à la faveur de l'évacuation sanitaire sollicitée par le ministère de l'Information et de la Communication. Eladj Alpha Fodé Dembélé s'est éteint au cours de la traversée à destination. Le défunt laisse derrière lui 2 veuves et 12 orphelins. Veille Dieu accueillir son âme dans le paradis éternel. Que son âme repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez de bons moments en compagnie de programmes de la télévision nationale. Bonsoir et très bon week-end à tous.